D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que tout serait bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pack opening avec quelques coffres. Également, une petite attaque en garde clan, également quelques attaques aussi en ligne. Donc là, j'ai un petit défi où je peux gagner une carte épique et 20 d'or. Donc il faut que je finisse cette petite quête où je peux avoir, enfin, il faut que je joue 25 fois le pêcheur. Mais là, pour la vidéo, je vais jouer mon deck principal, où je suis quasiment sûr de gagner. Donc là j'ai fait un petit deck pour la guerre. Écoutez, on va attaquer dès que c'est disponible. Petit deck pour la guerre, je crois que j'ai pas trouvé mieux. En tout cas pas moins cher quoi, pas moins cher. Donc le ballon, c'est vrai que le ballon là il me met un petit peu le ballon. Peut-être que changer le ballon avec autre chose, je sais pas. Parce que le ballon c'est 5 d'élixir, il faudrait 4 d'élixir. Ouais non, je pense que je vais garder ce deck là. Quoique j'ai un royal peut-être, j'ai un royal, ouais peut-être, je sais pas. Parce qu'en plus il n'y a pas trop de troupes qui défendent, quoique je pourrais mettre le bouliste. Je pourrais mettre... Oh il a gagné, nickel. Il a gagné, parce que là après si j'ai pas de ballon, d'ailleurs s'il y a une attaque aérienne, j'aurais du mal. Donc je sais pas trop, ou TDE à la place peut-être, TDE, bon je sais pas. Bon on va tenter avec ce deck là, pour l'instant on est premier. Et on est plutôt bien parti, j'avais même pas regardé, mais on est plutôt bien parti. Donc voilà. D'ailleurs, aussi petite parenthèse pour le concours, n'hésitez pas pour le concours, pardon, à participer encore. En commentaire, mettez je participe pour une carte iTunes ou Play Store de 10€, à liker la vidéo et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, tous ces réseaux sociaux, Facebook, etc. pour participer à ce concours. Bref, donc là, on va aller attaquer juste sur ce petit coffre d'argent, voilà. Et j'ouvre aussi un petit coffre de récompense, ils appellent ça comme ça. Donc 1000 d'or, 2 gemmes, 3 DDE et 10 3 bandes. Ah, une épique, tiens. Un clonage, ok. Donc le prochain, il me faut 3 couronnes. Donc normalement, je l'ouvre dans cette vidéo. C'est parti, on fait le combat final. En garde clan. Donc mon deck, il coûte assez cher. C'est vrai que là, on n'y voit rien, à part les flèches pour défendre et la princesse, j'ai pas grand chose. Par exemple là s'il attaque direct, bah, j'ai les mineurs, après vous allez me dire, mais bon. Le mineur n'est pas non plus super fort. Mais bon. Hop, petite flèche. Ouais je prends cher déjà. La tour déjà descend à 1000 points de vie, 1300 points de vie, c'est pas top. C'est vraiment pas top, donc là on a le sorcier à droite. Je pourrais tenter prince ballon, ça peut être pas mal ça, prince ballon, après il faut les flèches derrière. Qui aide un petit peu, je sais pas trop. Ouais, je vais faire aller le prince. Oh yes. Nickel. Ah mince, il touche la tour là, le prince. Et du coup, ma tour va tomber. Oh non, ma tour va tomber. Ma tour va tomber, c'est pas cool ça. Ok, c'est chaud là. C'est chaud parce qu'il a des gobelins, il a le feu à gobelins, donc il a le gang de gobelins aussi, donc il a pas mal de gobelins en fait. Je crois qu'il a tout ça, donc ça pose un petit peu problème. Donc là j'ai que, ouais, j'ai que la princesse pour défendre, enfin pour défendre, pour attaquer les sorciers. Donc là le ballon va faire un petit peu de dégâts, ça c'est pas mal. Ok, il reste 1 minute 30 plus ou moins. On va essayer de... d'avoir cette tour de gauche et de bien défendre surtout, parce que si je défends pas on va avoir du mal, on va avoir du mal. Donc là je tente prince tout seul comme ça. Ok, ça met le prince. Nickel, le petit mineur qui vient défendre un petit peu, parce que sinon là j'allais vraiment pas trop de points de vie, donc je me dis il vaut mieux. Ok, donc là j'ai envie de tenter le chevaucheur. Écoutez, on va tenter le chevaucheur. Mais la petite princesse ici. Ok, c'est pas mal. Mineur, écoutez. Par contre, faut que je défende bien parce qu'il a 1200 points de vie. Même pas, à droite là. C'est vrai qu'à droite là, c'est pas ouf. On est plutôt bien parti, j'ai l'impression. Ouais, je parle un peu trop vite peut-être. Aïe. Non, non.
Yes. Oh là là. Oh là là. Il restait une minute. D'ailleurs, il restait 2 secondes. Dommage parce que là, en plus, avec mon deck, c'était difficile au début. Puis, je pense que j'aurais pu gagner quand même. Là, en me concentrant plus au début. J'aurais pu gagner, du coup on a perdu et on se retrouve à égalité avec le deuxième parce que je n'ai pas gagné de couronne, donc c'est dommage. Donc la petite coffre en or que j'ouvre, une petite épique prince ténébreux. Donc voilà, le prince ténébreux en face c'était vraiment assez fort, mais c'est vrai que bon, j'aurais peut-être pu au moins égaliser, déjà gagner je sais pas, mais égaliser pourquoi pas. Mais c'est vrai que le ballon, j'aurais pu mettre le ballon à la place du prince. Mais j'avais pas trop de troupes qui défendent, c'est ça le problème. J'avais pas trop de troupes défense, on va dire. Donc si je mettais le ballon par exemple, il allait faire des dégâts, oui, certes, mais il allait pas défendre face aux troupes. Donc là, on prépare les flèches. Ça sert à rien. Je vais mettre les gobelins ici. Allez, prince un hébreu, vas-y. Les gobelins comme ça vont attaquer. J'ai fait pas mal de dégâts avec le ballon, mais c'est vrai que la. Parce que tu arrives derrière et fait beaucoup de dégâts. Donc en fait il descend la tour à 700 je pense, ouais même plus que ça. 500, 300 points de vie. Donc là je joue en ligne, un petit attaque en ligne tranquillement. On va mettre la princesse. Ok. Ça joue l'extracteur d'élixir, donc ça c'est chaud. Je prépare la princesse derrière, j'espère qu'elle va mettre les flèches comme ça. Je vais mettre les gargouilles. Espérons. Ouais, je vais mettre celle-ci. Barbare, à droite. Je prépare les flèches à droite au cas où. Ok. Ok, ben les flèches à droite. Enfin, à gauche peut-être alors. Ok, je crois que j'ai la tour, non? Ouais, j'ai la. Oh, même pas, bien défendu ça. Bien défendu. Bien défendu. J'ai mis les gargouilles pour défendre là, mais. C'est pas ouf. Oh, ça a bien marché là. En fait, bonne défense là, du côté gauche. Donc c'est pas mal. J'ai fait pas mal de dégâts à droite, donc ça c'est pas mal non plus. Par contre, il a un élixir en plus. Et donc ça me dérange un petit peu. On va mettre le géant ici. Ok. Là, je pense que c'est rentable de mettre les flèches. Hop. J'aurais dû attendre quelques secondes en plus, mais bon. C'est pas grave, on va mettre ici les barbares, une princesse. Je vais mettre les gobelins ici. Et par contre, ouais, il a vraiment beaucoup d'élixir là. Là, il a deux extracteurs. S'il a eu le temps de mettre deux extracteurs, enfin un deuxième plutôt, ça veut dire qu'il a pas mal d'élixir. Et donc ça devient un peu difficile. Là. Parce que là, il a énormément d'élixir. Aïe, aïe, aïe. Les barbares qui vont tomber à une vitesse folle. Oh mince. Donc là il reste 1800 points de vie à droite. On va tenter. Oh non, ok, j'ai perdu. Bien joué, en tout cas bien joué, parce que c'est vrai qu'il a bien joué avec les extracteurs, les deux. Enfin d'abord un puis deux extracteurs. C'est vrai qu'il a plutôt bien joué avec ses extracteurs, parce que j'avais pas grand chose pour les toucher en fait. C'était bien positionné, donc c'est dommage. Donc là on va juste essayer de récupérer une étoile, enfin une couronne, pour ouvrir le coffre d'événements là. Niveau. C'est le 5e je crois. Non plus que ça. Non, je crois que c'est le 5e ou le 7e, je sais plus. Je crois que c'est le 5e. Bref. Donc là niveau 11, normalement pas trop de soucis. On attaque direct, je pense, comme ça. J'espère qu'il n'a pas le sorcier. Et on espère faire un maximum de dégâts. Et je pense qu'on est bien parti, j'espère. Ouais, pas de défense. Oh, J'ai parlé trop vite, je me suis dit super, ça va passer. Mais là, comme je joue là actuellement dans cette partie là, bon, c'est pas à refaire, parce que le mieux
C'est bien sûr de mettre le géant ici, là où je mets la princesse, c'est là le mieux, le plus intéressant. Parce que sinon c'est pas intéressant. Enfin, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est qu'on est sûr de perdre quasiment si on met les troupes directement ici, là au maximum. Bref, le joueur de cochon fait beaucoup de dégâts là. Oh, j'ai quand même fait pas mal de dégâts, c'est vrai que j'ai pas regardé là en haut la tour, mais j'ai fait pas mal de dégâts en fait. J'ai descendu la tour à 1300, un peu moins de 1400 points de vie. À 1394, donc c'est pas mal. Ok, et je joue les flèches juste pour la princesse. C'est pas top, mais bon. Écoutez, c'est pas grave. Donc là, le petit géant, on va mettre le ballon bien sûr juste après où les gargouilles. Il a les flèches. Ah oui, il a utilisé les flèches déjà. Donc je peux mettre les gargouilles, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ou le ballon. Ou les gargouilles et le ballon. Autant en profiter. Là, il va mettre l'électro-sorcier, quasiment sûr. Voilà. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû. Ouais, non. Pas trop rapide. Donc là, la tour tombe. Les gobelins, j'espère qu'ils vont tuer les deux archers à droite, si possible. Yes, nickel. Comme ça, on a la tour et il n'y a aucune troupe qui vient nous attaquer. Donc par contre, ma tour est à 1000 points de vie. Donc là, par contre, je vais pouvoir ouvrir le coffre. Donc ça, c'est cool. Je vais ouvrir le petit coffre. Le cinquième coffre de la saison, me semble-t-il. Donc en fait, il y en a un tous les deux jours. Donc il y a 15 coffres. Ah non, il doit y en avoir un tous les jours, je pense. On peut ouvrir un coffre tous les jours, je pense. Ballon. Donc là, niveau 11, c'est vrai que c'est plus facile quand le level est moins élevé que le mien. Donc là, niveau 11, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, mes flèches, j'ai complètement raté là. Complètement raté mes flèches. Mettre. Oh! Je mets les gargouilles. Parce que là, il joue bien là. Là, il est revenu. Un partout. Il reste 15 secondes. Mais les barbares font un petit peu de dégâts sur la tour du roi et c'est bon. T'es gagné. 3 secondes. Est-ce que j'aurai le tour du roi? Non. 1000 points de vie quand même, j'aurais pu l'avoir. Bref, donc voilà, là on va voir le petit coffre en garde-clan. Je suis quand même déçu, mais après c'est vrai que j'ai pas de très bonne carte en garde-clan. Là j'avais pas de très bonne carte. Je sais pas ce que j'aurais pu prendre comme autre carte. Mais bon. Donc là, on ouvre le sixième coffre. C'était pas le cinquième, c'était le sixième. Je me rappelais pas. Donc là, le sixième coffre qu'on ouvre. Donc on a mis le d'or, 2 gemmes, 61 squelettes, épique. Donc un squelette géant. Ouh, pierre tombale et une légendaire. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt parce que depuis que j'ai repris le jeu, je n'ai pas eu dans ces coffres-là une légendaire, donc ça c'est cool. Donc petit screen, pierre tombale et du coup légendaire. Donc j'espère princesse, comme ça je le passe au niveau suivant. C'est parti. Ça veut pas appuyer. Du coup. C'est parti. On a. C'est pas grave. Hein, ça fait quand même une légendaire. Enfin, une voleuse. Donc on a une voleuse en plus. Écoutez, ça fait plaisir hein, ce petit coffre. Donc voilà, on finit sur une légendaire, ça fait plaisir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu en bas de la vidéo, commenter la vidéo, à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao!